Allez, re tout le monde, ben c'était pas programmé, mais aujourd'hui ben on se retrouve de nouveau sur du Fallout. Alors je vais juste changer la lumière qui est un peu jaune, ça m'énerve un peu, je reviens. Hop, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, écoutez, il y a la nouvelle série qui est sortie de Fallout sur Prime Video, pour ceux qui l'ont regardée. Je connais absolument pas le monde de Fallout, je ne connais rien du tout, j'en suis pas fan ou quoi que ce soit, mais il fallait bien que je teste. Alors, on va tester tous ensemble. Je vais juste remettre. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là, ma petite bande. Hop, voilà. Tac. Alors, bon, le jeu est là. Si j'arrive à le mettre. Hop. Voilà. On n'a pas commencé, on est dans l'accueil du jeu. Hop, re-renard. Donc, ben, écoutez, on va tester. Je sais absolument pas y jouer. Tu connais Fallout, renard? Tu as regardé Fallout sur Prime? Je n'ai pas vu le dernier épisode encore. C'est juste le dernier qui me manque. Moi, je connais absolument pas. Je connaissais deux noms aussi. Et j'ai regardé la série et j'ai vachement accroché. Donc, je me suis dit, ben, j'ai envie de La tester le jeu. guerre. Ouais, c'est vieux. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque Moi aussi, illimitée. j'ai adoré la série. Ah, mais elle était pas mal. Nous avons alors Il eu me manque accès juste à le des dernier technologies épisode qui sont encore les et relevés de franchement, la c'est pas mal. science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Coucou vent de Le travers, monde entier ça est va et tombé en toi? ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077. À l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Je t'ai vu jouer à Conan Exil aujourd'hui, ça Pour va, moi. tu maîtrises bien le jeu? Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre. N'est jamais La fini. guerre ne meurt jamais. Ouais, entre guillemets. Ouais, c'est très classique. Ça va nickel, j'aime bien. Non, mais il est super bien Conan Exil, tu vois. Bon, là, ce soir, il n'y a pas de soirée qui est prévue. On va essayer de voir avec La Raptor guerre ne pour la meurt semaine pro. jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des Tu vétérans. crois? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Ok.
Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est pour choisir les bonhommes. Ah, mais on peut choisir elle aussi? Ok. Mais je croyais qu'elle était... Non, je me spoil pas. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Mais... On va lui laisser cette tête. Elle était très bien. Attends. Par contre, le son, il n'est pas fort. Il faudrait que je l'augmente. Je crois qu'on va laisser la tête de la première qu'on a vue, hein, ouais. Vas-y. Ah, et là on fait ok, d'accord. Les extras. Ah ouais, d'accord, mais en fait tu peux. Eh, c'est détaillé, hein. On peut sculpter la. D'accord, ok. Ok. L'étage de rousseur. Waouh! Ok. Coucou, Walélie! Les imperfections, c'est ça? Ah oui, d'accord. Tu joues un mec? Bah, je pense que je peux jouer une femme. Parce que il me semble que sur l'image, tu peux être une femme aussi. T'inquiète pas, hein. C'est surtout pour la cinématique, il me semble. J'essaye de regarder tout ce qu'il y a à porter. Honnêtement, sa tête à elle, elle est le mieux. Waouh. Oh, on dirait une petite patte d'animal. Des imperfections. Ah oui, d'accord, ok. Waouh. Et ça, c'est le maquillage. Oui, forcément. C'est, on va pas dire que c'est aussi détaillé que les Sims, hein. Je m'amuse à regarder, mais c'est waouh. Bon, on va rester dans le naturel comme ça, je pense. Ah, ok. Donc là, on peut choisir si c'est athlétique, mince, massif. Ah oui, d'accord. On va rester dans le milieu, ça va très bien dans le milieu. Confirmer ce personnage? Oui. Vu qu'il y a bugué? Ah non. Faut jouer. Ah, ok. Donc en fait, maintenant, on joue la femme. Hey, trésor. Je me dépêche, pas de panique. Là, il y a leur lit. Il y a le bébé? Oh mon Dieu, la tête du bébé. On va juste mettre un peu plus de son parce que c'est vrai que j'ai tout baissé. Les effets sonores, les voix, parce qu'on les entend pas. Est-ce que vous entendez bien ou pas le live? Wow, c'est très Bonjour, madame. futuriste. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius, comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui qui vient d'être livré. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Un code sourd. Mmh.
Toujours la même chose. Mon cœur. Regarde-toi. Comment un type comme moi a pu avoir autant de chance? Ah oui, d'accord. Genre, en fait, c'est le robot qui s'occupe de tout. Salut, c'est quoi le jeu? C'est Fallout 4. Mais j'essaye de comprendre. On dirait que le lait a été livré. J'essaye de comprendre ce qu'il faut que je fasse. Faudrait peut-être que je sorte. Non. C'est écrit dans le titre. Hé, hey, trésor. J'ai l'air nerveux. Dis-moi, j'ai l'air nerveux, hein? Encore ce représentant. Je ne sais pas. Bonjour, société Voltec. Voltec. Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est pour vous que nous sommes là. Et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vous. Abris. De vrais appartements de luxe où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Je vous écoute. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. J'ai une famille. Vous pourrez tous nous y loger. Bien sûr! Bien sûr, sauf pour votre robot, naturellement. Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il est sur le live. Vous avez accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne prendra qu'un instant. D'accord. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors. Voyons. Alors, la force. Il y a 21 points disponibles. Et en gros... Ah, d'accord. En gros, il faut choisir, c'est ça? La force correspond à votre puissance physique brute. Elle détermine le poids que vous pouvez porter et les dégâts infligés par vos attaques au corps à corps. Ok. Merde, il n'y a pas Pumpkin, donc elle peut même pas m'aider. La perception correspond à votre conscience de l'environnement et votre sixième sens. Elle détermine la précision des armes en mode SVAV. Ouais. Endurance, bon, ok, ça c'est courir, y a pas de problème. Le charisme. Le charisme correspond à votre capacité à séduire et à convaincre. Il détermine vos chances de gagner. Les défis... Et les prix que vous négociez. Ok, l'intelligence, bon, correspond à votre acuité mentale générale et détermine le nombre de points d'expérience que vous gagnez. Agilité. Ok, la chance correspond à votre bonne fortune généralement et détermine la vitesse de recharge des coups critiques. En gros, là, tu dois faire quoi? Ben, je crois que, tu vois, là, il y a 21 points disponibles et je dois tout simplement choisir le truc, enfin, assigner mes points de ce que j'ai compris. Ah oui, il faut que je mette le nom. Bon, ben, on va marquer Milady, hein. Je veux dire, c'est moi, quoi. Merci, Walélie, parce que du coup, je l'avais vraiment pas vu, en fait, au final. Ah. Ok. Attends, est-ce qu'on peut mettre le Padawan ou pas? Oui. Allez. Raptor, t'es là ou pas? Il va me dire que non.
Il est jamais là quand j'ai besoin de lui. C'est vrai, hein? Parce que du coup, les filles, je peux même pas vous le proposer à vous qui me parlez, parce que je pense que vous ne connaissez pas Fallout autant que moi. Tout autant que moi. Pumpkin, elle est partie dodo, donc elle peut absolument pas m'aider. Pub, aïe. Et tu vas voir que le monsieur, il est pas là. J'ai envoyé un MP, mais il répond pas. Toujours en train de discuter. C'est bon. Ça marche plus. Ça va, elle était courte la pub. Bon, bah écoutez, on a 21 points. Tout ce que je sais, c'est que à chaque niveau tu gagnes, tu pourras rajouter des points. D'accord. Et ben, on va mettre 5 de force, on va mettre 5 d'endurance. Ça, c'est l'entourage, donc je pense que je vais mettre 3. On va mettre 3 ici. L'agilité, on va mettre 3. Intelligence, endurance, force. Allez, hop, voilà. On va faire comme ça. Vraiment, j'en sais strictement rien. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Bon, trop tard, renard. Je l'ai fait. Pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ce que je ferais pas pour Sean et toi. Ah bravo. J'ai posé la question, la personne qui m'a répondu. J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin maman que vous semblez si bien maîtriser. Bon. On va faire câlin maman alors. Son père. Enfin, la plupart du temps. Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Bonne idée. Ouais, bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? On aille à l'abri, vite! J'ai Sean avec moi, allons-y! Alors. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. La sensibilité. Ça bug un peu, non? C'est absurde! C'est moi, si vous Voltaire! La liste, vous ne rentrez si pas. Je rentre, vous ne m'arrêterez pas! Oh non! Oh pas ça. Du calme! Excusez-moi! Portez plainte! Si vous êtes inscrit, avancez! Sinon. Laissez-nous entrer! On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, c'est bon. Allez. Merci. Bonne chance, monsieur. Dieu nous vienne en aide. Vous deux, suivez-moi, allez! Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière? On fait tout ce qu'on peut. Allez, dépêchez-vous! Par ici! Montez sur la plateforme! Mettez-vous au milieu! On y est presque! Sean va bien? Il va bien. Ça va aller. C'est bien parce que du coup tu peux choisir soit de jouer la femme ou le mec. Waouh. Accroche-toi ! On peut pas aller plus vite. Aidez-moi.
sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard... N'y pensez plus. Tous. Vous êtes en sécurité maintenant. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. Est à votre service. Merci d'avancer en ordre. Par ici. Venez par ici. Homme avec enfant. Homme. C'est par ici. Le taux est un. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Avancez jusqu'à la table. Bienvenue. D'accord. Merci. Combinaison. Là-bas. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Ok. Boum. Ouais, boum. C'est au bout de ce couloir. Ce serait bien ici. Tenez. C'est l'un de nos complices. Attendez, je vais juste. Parce que la sensibilité, elle est vraiment. Waouh! Non, jouabilité, sensibilité de la caméra. Les plus modernes. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Ne sont pas mal non plus. On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici ? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Ça me va bien. Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Aussi confortable que chic. On est paré pour l'avenir, pas vrai ? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. C'est pour quel âge le jeu ? Je sais pas du tout. Vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Donc du coup, là, il va se passer un truc que moi je sais. Normal. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2. Ok. Aussi jeune, Renard ? J'aurais dit le genre 12, peut-être, tu vois. Non, elle demandait l'âge adapté à Peggy 18. Ok. J'allais dire 9 ans, purée ! Même les gosses qui y jouent. Éloigner les enfants. Justement, je m'en vais, vu que j'ai 12 ans. Non, ça va pas, Milady. Il vient de tuer le père, là. Allez, il doit bien y avoir une ouverture. Panne critique de la station cryogénique. Allez, allez, allez. Les résidents de l'abri doivent évacuer. Oh, oh.
je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Ok. Oui, il est parti avec le bébé, ouais. C'est ça. On essaye de checker un peu tout, hein. Là, il faut que j'attaque. Des cafards géants ? C'est quoi ce bordel ? Wow, calme-toi. Ça va. Ah, on peut récupérer la chair. Et si tu fais R, c'est transféré. Ok. Tap pour quitter. Ok. On essaie d'apprendre un peu à comment ça marche. Des gros cafards. Ouais. Et tu peux trouver des trucs sur les corps. Je sais pas, peut-être. Bon, là, ils sont... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bon, où là, il y a rien. Les autres. Oh. J'ai entendu du bruit. Oh. D'accord. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Attends-moi, je reviens. Alors. On essaie de fouiller un peu partout quand même. Il faut que je trouve ce terminal. Ah. OK. Je suis nul. Allez là, meurs un peu en fait à un moment donné. Oh. Ok. Sinon, Walélie, ça va? T'as revu la rediffusion? Parce que... R pour recharger. Ok, logique. Puisque t'étais pas là tout à l'heure. Donc c'est là où on est arrivé.
Non, ça fait pas longtemps, je suis revenue chez moi. D'accord. Ben, tu feras attention, du coup, t'as une remise. Waouh, il m'a fait peur, lui. T'as une rediffusion. Une remise, moi. T'as une rediffusion que tu regarderas, du coup. Tu as vu le texte que j'ai affiché ? Oui, il est bien. Comme ça, les gens qui n'étaient pas là dès le début, ben voilà. Donc là, je suis au niveau 1. Donc là, on a tout ce que l'on a fait là. Ok. Je peux ok, mais c'est relou par contre. Je pense que je vais rester à la première personne. Bon, maintenant la musique, oui, je la connais, je la reconnais. Alors, je regarde les touches parce que j'arrive pas à attaquer, puis à viser, dégainer et recharger. Ok. D'accord. Voulez-vous apporter des modifications ? On peut changer l'apparence, changer de nom, d'attribut spécial. Bah non, terminé, quitter l'abri. Bon retour à la surface et merci d'avoir choisi Voltaire. Ça va la cam, elle bug pas trop? Parce que je sais que souvent quand je fais des jeux qui tournent bien. On va attendre de se familiariser. Oh, regardez, il n'y a plus rien. Ah oui, il y a plein de DLC aussi. Ok, ça c'est pour. Non, parce que pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert, donc je sens c'est friche sur rien. Regarde, on prend tout plein de trucs. Des cartouches, ça par contre, oui.
peut carrément prendre une chaise. Je veux dire, à un moment donné, on est une caravane, quoi, sur soi. C'est pas là où on est arrivé. Oh, regardez tous ces cadavres. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps pour sprint. Ok. Putain, ça a détruit les maisons. Rentrez chez vous. Barbe, Barbe. Oh, c'est vraiment vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Au monde, madame? Pour aller vendre les vides et celles qui sont pleines, tu les bois, lol. On verra bien. Mais là, elles avaient l'air cassées. Hein. J'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour, votre époux et vous. Où est monsieur, d'ailleurs? Ils l'ont tué. Madame, ces choses que vous dites, ces choses affreuses... Je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Codsworth, écoute-moi bien. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu Sean? Il était avec monsieur quand je l'ai vu pour la dernière fois. Il est peut-être allé chez les Parker pour qu'il puisse jouer avec son ami. Nul doute qu'il reviendra bientôt avec votre fils. Il a disparu, putain. Quelqu'un l'a enlevé. Quelle vulgarité. On m'a pris mon bébé. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans. 200 ans ? Quoi ? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, madame. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Le robot, tu sais, qui balance un truc d'humour. À manger? D'accord. J'ai besoin de réfléchir quelques instants. Dans ce cas, je reviens tout de suite. Il n'y a plus de matelas, il n'y a plus rien. La menace rouge? Les communistes, bien sûr. Les soviétiques et les chinois. Je ne pense pas que les communistes soient encore un problème, Codsworth. J'ai une idée. Et si nous cherchons ensemble? Après tout, monsieur et le jeune Sean, c'est ma famille à moi aussi. Codsworth, tu es sûr de bien tenir le coup? Madame, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les premières années à essayer de cirer les sols, mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour...
polir la rouille. Qu'est-ce que tu sais, Codsworth ? J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, madame. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que monsieur souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez, c'est produit. Une holobande ? Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Je pense qu'il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Mes protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur d'holobande devrait vous permettre de la lire. Comme le Beep Boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire affaire. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble ? Peut-être retrouverons-nous monsieur et le jeune Shaun. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, madame. En fait, tu peux tout prendre. Où qu'il est. Et bien, il est parti. Et il est là. Rien de tel pour se dérouiller les servomoteurs, pas vrai ? Ok. Il n'y a rien d'autre ici que quelques mouches. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. T'as déjà joué à Fallout, Natsu ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Ouh, qui est là ? Bien, voilà qui est réglé. J'adore ce robot, je vais le prendre plus souvent, hein. Hey, Codsworth. Il me suit pas ? Oh. Yep. Ah oui, donc du coup, là, t'es content, hein, j'en fais, du coup, t'es content. Ben, écoute, si tu t'y connais, des conseils, je refuserai pas. Là, elle est effondrée. En fait, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Je veux lui parler, d'accord, mais... Monsieur et le jeune Shaun, ils ne sont pas là. Shaun est là quelque part, Codsworth. Je dois le retrouver. Et Concorde, madame. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Il reste encore des gens en vie à Concorde ? Oui, même s'ils sont un peu rudes. Vous vous souvenez de la route ? Il faut emprunter la passerelle au sud, puis passer devant la station Red Rocket. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Ok, donc en fait le robot ne va pas me suivre. Va falloir que je le réinstalle celui-ci car je m'en souviens pas spécialement de tout.
Oh. D'accord. On peut valider des trucs. Établi d'armes. Ok. Je me trompe à chaque fois, je vais faire échappe. As-tu regardé le truc qu'il t'a donné? Ben, il faut que j'essaye déjà. Mais ah voilà, c'est I. Ok. Là. Oups. Non. Oh, tes petits doigts de là. Allez, on va essayer. Dis-le. Oui, juste là. Non, là. Allez, vas-y. Bravo. Salut, Trésor. Pas qu'on ait besoin de te dire que t'es une super maman, Sean et moi, mais on va quand même le faire. Tu es gentille et aimante. Et drôle aussi. Le Fallout 76, je l'avais payé à sa sortie pour en faire. Pour en fait, il jouait 2 heures seulement. Ah ouais, d'accord. Comme disait ta mère, écoute, avec Sean et nous tous ensemble à la maison, cette année a vraiment été fabuleuse. Mais je sais que le meilleur reste à venir. Évidemment, il y aura des changements. Tu vas commencer à pratiquer le droit, mais quelles que soient les difficultés, tout ce qu'on fait, c'est pour notre famille. Je pensais qu'il était solo, mais non. Ah, mais vraiment, je connais pas le monde de Fallout. Fallout, waouh! Oh, merde. Si je commence à taper avec le clavier, ça craint. Piton d'huile. Cache pas les balles, elles sont rares. Non, sans déconner. J'en avais pas. J'avais pas du tout deviné, Natsu, que c'était pas rare dans un monde post-apocalyptique comme ça. Pas du tout. Pas ma faute. Ça a glitché. Ça a tapé sur mon clavier. Il a dit qu'il fallait traverser le pont. C'est quoi ça? Une boîte aux lettres? Oh, grenade à fragmentation. Un toutou. Ça
Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? T'as perdu ton maître, mon vieux? Il est beau en plus. D'accord. Je veux maintenant prendre des. Je veux mon toutou. Taillé. Oh, si, il vient de faire la même tête que mon chien quand tu lui parles. Regardez votre chien et appuyez sur E. Ok. Hey. Chien a trouvé quelque chose. Allez. Comment ça va, mon vieux? Oui, il est beau. Ça sert à quoi tout ça? Il va me suivre partout, ça y est? Il peut mourir? S'il peut mourir, je veux plus jouer, ça y est. Oh, cartouche de cigarette, ok. Wow. Oh. M'a fait peur lui. Toutou. Tu l'as tué le toutou ou pas? Ok. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des bébêtes là qui... Oh. Un rat taupe. Ok. J'ai la sensibilité, elle me plaît pas. Et je fais quoi après, en fait? Ok. Faut continuer la route? Peut-être. Il est maigre quand même le toutou là. Wow. Oh merde. T'as pas la map? Peut-être que si. Oui, c'est logique. Relais routier terminé. Inspecter Concorde. Il est là. Ok, d'accord. Oui, c'est un peu plus logique du coup, finalement. Mais sinon, le chien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, Concorde, ok. Je pique tout. Je sais pas si ça sert, mais bon, je pique tout. Hey, par ici, sur le balcon. J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie,
prenez ce mousquet laser et aidez-nous. Ok. Et on change d'arme comment? Chargez les mousquets laser en appuyant plusieurs fois sur R. Oui, mais après, tu fais comment pour changer d'arme? Commande, j'en ai marre. Il y a juste dégainer, rengainer, c'est R. Donc on peut pas avec les vêtements pour le moment. Mais j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Comment tu les enlèves après? Ah, je me trompe à chaque fois. Tu vois, j'ai une alliance. Voilà, je suis pas encombrée, c'est bon. Je vois pas de quoi tu parles. Par contre, je me suis pas équipée avec ce qu'ils disent là. Alors, j'arrive pas. Comment tu fais pour t'équiper avec ce fameux laser ? Bon, bah écoute, on y va. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. Ou ouais, à Lélie quand même. Un peu de tenue. J'allais pas jeter l'alliance de mon mari. Oh. De crocheter ça. Merde. À la droite. Ouf. Oh. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Non, miliciens. C'est pas ça. Je reviens dans le passé, là. Quand personne ne peut plus rien pour vous, les miliciens sont là. C'était l'idée, en tout cas. Nom d'un chien. Je voulais me rendre utile, alors je me suis engagé. Mais tout est parti en vrille. Et aujourd'hui, on dirait bien que je suis le dernier des miliciens. Peut-être. Non. C'est qui ces gens? Juste des gens qui cherchent un nouveau foyer. Un nouveau départ. Je suis avec eux depuis Quincy. Lexington avait l'air bien au début. Mais les ghouls ont fini par nous chasser. Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. Il n'y a plus que moi, les Longs,
Marcy et June. Sur le canapé, salut. C'est la vieille Mama Murphy. Et lui, c'est Sturges. Des ghouls ? C'est quoi ça ? Oh, un chien. Vous n'êtes vraiment pas du coin, hein ? Les ghouls sont des gens irradiés. La plupart sont comme vous et moi. Peut-être. Elles ont une sale tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Non. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont rongé le cerveau et elles sont totalement sauvages. Non, dès qu'elles vous ça. Voient, elles n'ont qu'une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Je vous écoute. Sturges, expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45, modèle militaire. Qu'est-ce qui rend cette armure assistée si spéciale ? C'est un modèle à servomoteur interne Westech. Une fois à l'intérieur de ce petit bijou, on devient un véritable surhomme. Plus fort, plus robuste, résistant aux radiations. Avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez ? Ça pourrait marcher. Ça marchera. Il faut juste arriver à recharger l'armure. Elle est totalement à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger, mais dans notre situation... Alors, quelle est la solution ? Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisait l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on peut pas et y accéder. Et on sait où en trouver un. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Qu'est-ce qu'il vous faut déjà ? Un réacteur à fusion. C'est un genre de batterie, mais modèle sport. Il y en avait un dans le musée il y a longtemps. Vous en trouverez un au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Il parle, mais la bouche, elle bouge plus. Vous devrez crocheter la serrure ou pirater l'ordinateur pour l'ouvrir. Ça devrait pas être trop dur. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne chance. Déverrouillez le portail de sécurité. Méfiez-vous. Quelque chose approche. Je perçois. Ok. Une grande colère. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert une porte. Pourquoi ça charge ? Oh. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Alors. Ah, je peux plus passer. Si, voilà. Bon, alors c'est pas par là. Faut redescendre. Et comme je crains de tomber, pas que là, on peut... Hop. D'accord. C'est fermé. Bonjour le toutou. Ah, c'est là.
Ok. Déplacer la souris pour ajuster la position de l'épingle à cheveux. Utiliser A pour faire tourner le tournevis. Ok. Si l'épingle est correctement placée, la serrure pourra tourner complètement et s'ouvrir. Si la serrure résiste, lâchez A et repositionnez l'épingle. Ok. Et comment tu sais que... Ah. Ah, je l'ai cassé. Ok. Joli. Ah, ça ressemble exactement à ce que l'autre il a pris dans la série là. Ok. Ok. Il faut que je monte. Donc là, il faut que j'aille à la porte où j'étais. En fait, j'ai juste loupé un... une étape, on va dire. Prends les armes, on sait jamais. C'est quoi des... Ah, des capsules, c'est pas de l'argent par hasard? Ah, et ben, je suis tombée. C'est pas grave, on va remonter. J'aurais pensé qu'on pouvait sauter aussi loin, mais non. J'aime bien le tuto qui me suit partout. Les Steam Pack, tu devrais les prendre, oui, pour les capsules. Les Steam Pack, attends. Ah, ok. C'est bon, je l'ai. Ah, tu vois, le truc, c'est que comme je connais rien, je sais pas quoi prendre. Bon, ok, je prends plus les vêtements, promis. Oh! Une arme de fortune, pistolet, blastron, cagoule, vêtements cuir. Les steam packs, je crois, c'est pour le soin. On a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on reçoit? Je sais plus. Quelqu'un qui sort tout droit de son abri? Qu'est-ce que vous comptez faire dans votre combinaison débile? Bah merci. Qu'est-ce qu'elle est... Waouh. Oui, ça, les pips, parce que je me rappelle dans la série, ils le disent, j'ai pas de capsule sur moi. J'ai relevé certaines petites infos. Mais j'ai pas la grosse fan là de Fallout avec moi, donc du coup c'est compliqué. Oh, un truc de journal. Capsule. Oh, le chien, j'adore comment il me regarde, il est trop beau. Ok. Et après, je fais quoi? Oh. Mais non, t'es sérieux là? Ok. Activé. Pourquoi tu descends pas nous montrer ton joli flingue? Pas donné à tout le monde de tromper la vigilance de mes gars. Rafale court. Où qu'il est? Encore une victoire des miliciens. Je le vois pas. Et après? Je crois qu'il y a quelque chose par ici. Je sais pas où il est, je le vois pas. Tire de où? Vous le voyez, vous? Alerte annulée.
c'est une grosse pépette ça. En vrai, je sais pas s'il faut le tuer ça. Je pense que oui quand même. Oui, il a bugué un peu, non? T'es bon ou pas? Waouh. Carte donnée. Débarrasser Concorde des ennemis. Voilà. C'est ce qu'ils me disent. Mais je les vois pas, les ennemis. Vous les voyez? Il veut pas mourir, le gros bobette, là. Non, je crois qu'il attaque le mec. Bah ouais, mais le mec, je veux qu'il crève, mais je le vois pas. Je vais pas... Faut tomber... Ah, là! T'es bon? Après, il y a un autre gars là-bas, non? Ah, le truc, c'est que si j'y vais... Je sais pas si je dois y aller ou pas. Oh! Encore ou pas? Non, débarrasser des ennemis. C'est bon, on l'a fait, non? Non, c'est pas validé encore. Je veux pas descendre. Je vais mourir si je tombe ou pas? Ben non. Allez. Il faut que je batte ça. Il faut que je batte ça. Au revoir maman. What the fuck? Toi, il fallait tuer le méchant. Ouais, c'est bien ce que je dis. C'est un écorcheur. Je sais pas ce que c'est. Bon, allez, on rentre, hein. N'en faites pas trop. Oui. Vous allez bien? Ça y est, tu existes? Pas parce que je t'ai envoyé un message et que t'as pas été foutu de me répondre? Oh bah bravo. Bah d'accord, ouais. Non. Non, je suis en cam. Je suis contente. Va te faire voir. Arrête de me faire chier. Mais arrête de me faire chier, t'es chiant. File. C'est pas toi. Ça va aller pour vous maintenant? Oui, du moins pour quelques temps. On devrait pouvoir trouver un... Écoutez, quand on s'est... C'est pas possible de travailler avec vous. Dis-toi aussi. Une chose que je peux vous dire, c'est qu'on aide nos amis. Alors tenez, et merci pour tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait très longtemps que les visions de Mama Murphy lui montrent un lieu nommé Sanctuary. Un vieux quartier qu'on pourrait remettre. C'est ton dernier, tu le sais? Vous ne viendriez pas avec nous? Ah si? Votre aide nous serait précieuse. Non, 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 non. Non, je ferai exprès de les boire ce soir, comme ça tu les auras pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Conservez bien cette force qui est en vous. Vous ne devez pas fléchir. Jamais. Car votre... Mes Sims me manquent, au moins c'est pas compliqué, les Sims. Je l'ai vu. Le trou dans votre cœur.
que vous voulez dire ? Vous êtes une femme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Où est mon fils ? Où est Sean ? J'aimerais bien le savoir, mais ce n'est pas comme si je le voyais. Je sens juste sa force vitale, son énergie. Et je sais qu'il est là quelque part. Et je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth, Diamond City, la plus grande ville à la ronde. Diamond City. Qu'est-ce qu'il y a, Diamond City ? Sean est là-bas ? Écoutez, je suis fatiguée. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera une idée plus claire de la chose. Non, on en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Oh, ça suffit. Et je peux pas l'enlever, l'armure ? Ça y est, c'est fini. On va mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision et notre nouvel amour. Et maintenant, en route. Sanctuary nous attend. Bon, grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît. Vous feriez mieux d'aller à Diamond City. Vous l'avez vu quand elle était complètement défoncée, oui. Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond. Stat. Oh, d'accord. Ah, c'est bizarre. C'est rigolo, du moins. On sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vu. De toute façon, ça ne peut pas être pire. C'est genre, tu fais le truc et l'armure après elle est à toi ? Si, tu peux l'enlever normalement. Ok. Mais je sais pas comment. Faut qu'on rejoigne Preston machin. Ah bah oui. Salut. On ne peut pas s'arrêter. Oh. Ok. Il y a eu des petits bugs. On est derrière vous, boss. Salut, je passe te faire un petit coucou. Eh bien, coucou Leinar, comment tu vas ? Ça va super, et toi ? Bah écoute, ça va, ça va. T'as vu, on a un petit peu... mis de côté nos Sims pour ce soir et on s'est mis sur Fallout. Je galère. Je sais pas si tu connais l'histoire ou autre, si tu connais le monde de Fallout, mais je galère. Parce que le truc, c'est que je pars vraiment de zéro. Je connais pas le monde de Fallout. Je me suis dit, ben, vu que j'ai vu la série, pourquoi pas ? Allez là-bas. Attendez là.
Il avance le toutou. Allez là-bas. On va où, Marcy? T'inquiète pas, Joe. Reste avec moi, tout ira bien. D'accord. Chien a trouvé quelque chose. Pas de drogue. Tu sais, je suis plus préoccupé au chien qu'autre chose. C'est donc le jeu ? Oui, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est l'un des jeux parce qu'il y en a plein. J'ai vu ça. Par contre, ils sont super longs là, s'il vous plaît, vous pouvez pas avancer un peu plus vite, j'en ai marre là. Le chien il baille, même lui il en a marre. Ouais, ça c'est chiant, m'en parle pas. Le chien a trouvé quelque chose. Ah là, ça le... de biche. Merci le chien. Merde, ils sont où? Je les ai un peu perdus là. Je suis trop forte, je les ai perdus. Ils ont... Ah, en fait, ils ont passé la rivière. Ils ont pas passé le pont. Ok. C'est bête, pourquoi il passe par là? Bon, je pense qu'il y a eu un bug pour qu'il passe par là, non? Je sais même pas, ça se trouve l'armure, il fallait l'enlever et on l'a même pas enlevé. Faut l'enlever ou pas l'armure au final? J'ai vu, tu as fait le résumé de ton legacy, etc. Je suis allée voir le mode enterrement. Et est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux ni enterrer ni incinérer si t'as pas assez? Et comment ça se passe quand les animaux meurent? Alors, pour les animaux, je n'en sais fichtre rien. Quand t'as pas l'argent, ben, je pense que tu peux partir en négatif, je pense. Honnêtement, je ne sais pas, parce que j'ai toujours eu... Enfin, on va pas se mentir, il y a une facilité à gagner des Sims Plus. Dans les Sims, c'est très simple. Hein. À part si vraiment tu dépenses toute ta paye. Tu peux la garder, ça te prévient des radiations. Ah. Attends, il me ramène là où j'étais.
que vous ayez décidé de venir avec nous. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvé. Je pense qu'on pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'habitais ici. Ça me plaisait de vivre ici. Avant la guerre. Comment ça ? Avant quelle guerre ? Vous voulez dire que... J'ai vécu ici. Il y a plus de 200 ans. Je me suis fait... cryogéniser, je crois. J'ai repris connaissance il y a pas longtemps. Merde ! Comme une vieille goule d'avant la guerre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous ? Juste mon fils. Quelqu'un a profité de mon état pour l'enlever. Je suis toujours à sa recherche. Merde. Je suis désolé. Oui, j'espère car j'ai vu les prix. Heureusement que c'est pas tous les jours qu'un Sim se meurt. Enfin, ouais. Content que vous soyez là. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander. Ah. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie ? Je me ferai un plaisir de vous aider. C'est génial. Les miliciens auraient grand besoin de gens comme vous. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main ici, adressez-vous à Sturges. Je suis sûr qu'il serait content d'avoir un peu d'aide. Alors, sauvegarder. Ok. Ben, écoutez, nous, on va s'arrêter là. Je pense que on a commencé quand même pas mal au niveau du jeu. Je suis totalement débutante, c'est un truc de dingue. C'est bizarre de se retrouver en fait à faire un jeu que tu n'as jamais fait en fait, alors que ça fait des années qu'il est sorti. Enfin bon. Merci en tout cas d'avoir été présent et d'avoir un petit peu papoté. On se retrouve, comme je disais tout à l'heure, demain à partir de 22h pour notre live de la soirée. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Tout dépend si on a un projet communautaire. Donc si on a un projet communautaire, normalement, ça serait du Ensured, du Conan Exile, un des deux. Et si jamais il n'y a pas, et ben on partira sur nos Sims tranquillou et peut-être du Fallout. Enfin, on verra. Je ne promets rien. En attendant, je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont dodo. Et puis, on se dit à demain. Des bisous tout le monde.